à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo vlog brocante. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi en brocante, puisqu'on est dimanche. Aujourd'hui, superbe météo prévue. Donc, j'avais envie de vous emmener avec moi et vloguer. Si vous adorez les vlogs brocantes, je vous invite à aller voir ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17, qui en fait régulièrement sur sa chaîne, d'où l'idée de cette petite vidéo. J'avais envie de vous présenter en fait les petites trouvailles que je fais en brocante, enfin, quand j'y vais, pour mes élèves, pour mes enfants. Donc je me dis que ça peut être cool, parce qu'il y a vraiment des bons plans en brocante. Aujourd'hui, vu qu'il va faire 28 degrés, j'ai décidé de faire péter la brume solaire, enfin la brume, le spray solaire. Donc c'est le spray très haute protection de chez Aderma en indice 50 que j'ai utilisé sur mes enfants et sur moi. Elle sent très très bon, elle est top. L'année dernière, j'avais déjà, là c'est une nouvelle, je valide à 100%. Sur mon visage, en revanche, j'ai testé aujourd'hui la Bioderma 50+, je vous en avais parlé dans une vidéo unboxing, je crois, qui est comme ceci, et honnêtement, je viens de la tester. Alors, elle a une texture huileuse, pourtant c'est pour les peaux mixtes à grasse, donc très haute protection, mais elle est hyper agréable à appliquer. Elles se font très bien au teint, parce qu'elle paraît foncée comme ça, mais elles se font très bien au teint. Moi, je valide aussi à 100%, honnêtement, je pense que ça va me suivre tout l'été sans problème. Je la trouve très très bien, faut bien la secouer avant, et elle est nickel. Après, l'embout, il est pas top, mais bon... Moi, ça me dérange pas plus que ça. Vous avez vu, c'est un embout comme ça, donc ça me dérange pas plus que ça. Donc, je valide aussi. Et pour dans le sac à main, je vais emmener celle-ci. Parce que je pense qu'il va faire vraiment très chaud 28 en plein soleil, en pleine brocante. Ça fait toujours utile. Comme il fait beau, bah, j'ai fait péter aussi le parfum. Mais bien sûr, que sur mes vêtements, pas sur mon corps, parce que j'ai pas envie d'avoir des taches de soleil ou quoi que ce soit, vu qu'il y a de l'alcool dedans. Donc, c'est La Vie est Belle de chez Lancôme que j'adore. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori. Et sur mes lèvres, j'ai mis, pas un rouge à lèvres flashy parce que je veux un truc assez nude aujourd'hui, le 202 de chez Lancôme, qui est l'absolu laker. Je sais pas trop quoi en penser encore, vous le verrez aussi dans ma vidéo favori flop. Je sais pas trop quoi en penser parce que la texture est particulière, il est difficile à mettre je trouve. Il a un très beau rendu, mais il va vite je pense aller dans les bords des lèvres, vous voyez, à l'intérieur des lèvres. Donc, pour l'instant j'essaye de me faire un avis, mais je suis pas encore... convaincue. Donc voilà, donc ça va être ça, assez simple sur la route. J'ai aussi emmené mon petit carnet avec où je mets mes petites notes pour les brocantes et mon petit portefeuille pour mes petits achats, être pas trop lourde, on va dire, sur le chemin. Bon allez, let's go les brocantes. Ça a combien volé, madame? L'écran, c'est 50 centimes, 1 euro. Et là, c'est un lot, c'est les... Les magazines, ça m'intéresse. Voilà. Donc, c'est 1 euro. Même celle-là, par exemple? Non, celui-ci, c'est 50 centimes. Ok, d'accord, merci. Ouverture souple. Ok, voilà. Super. Vamos a
La brocante, elle est pas trop mal. J'ai fait quelques trouvailles, mais je vous montrerai. Mais là, je vais aller échanger un soir. La brocante est finie. Alors, essayez de deviner en commentaire avec qui j'ai fait le soir. Ça m'intéresse. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait des soirs. Hey, je suis complètement au chaos de cette journée, on a profité avec la famille, etc. Donc je voulais juste vous montrer mes petites trouvailles en brocante. J'ai pas trouvé des trucs de dingue, j'ai dépensé je pense 6,50€ je crois exactement. Non, moins de 10€ parce que j'ai acheté aussi des petites chaussures pour mon fils, je vous les montrer tout de suite, comme ça ce sera fait, et après je vous montrerai les livres. Voilà, j'ai juste acheté des petites chaussures ouvertes comme ça pour mon fils en taille 21, je ne sais pas de quelle marque, mais voilà, il a fait presque 31 degrés aujourd'hui. Je ne l'ai pas mis, hein, je vais lui laver et tout, mais je pense que ça sera quand même utile pour cet été, puisque je n'en avais pas. Donc voilà, et je vais vous montrer tout de suite les livres. Si cette vidéo vous a plu déjà, je vous invite à la liker et à la partager. Si ça vous dit, si vous en voulez d'autres, pardon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous montre maintenant mes trouvailles et je vous dis à très très vite. Salut! Donc j'ai presque une 14 livres je crois, donc 14, 15, 17 livres je pense, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris quasi que des livres de l'école des loisirs, alors là je vais cacher, voilà, c'est l'école des loisirs, parce que les gens ils ont laissé les étiquettes avec les prénoms, mais voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup, qui valent autour de entre 5 et 10 euros, donc là voilà, 50 centimes pièce, ça vaut le coup. J'ai pris ça pour ma fille, parce que je me dis que là qu'elle rentre en une petite section, ça peut être cool de lui chanter des chansons, 5 petits doigts. Qui est fait par Nadja et c'est vraiment comment on appelle ça, à cette heure-ci j'arrive plus à trouver les mots, mais une illustratrice et une écrivain je pense très connue dans le monde de la littérature de jeunesse, donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci aussi. Celui-ci je l'ai acheté en anglais, si vous avez vu mes vlogs au Canada, donc là je me suis dit j'allais l'acheter en français, il est quand même vraiment abîmé hein. Mais du coup c'est comme si je l'avais gratuit parce que la dame c'était 50 centimes pièce et puis après elle m'a fait un lot. Donc c'est comme si je l'avais eu gratuit. Celui-ci il est trop trop bien. Et de Jean Mobile. Et voilà, ça c'est parfait pour mes élèves qui lisent pas beaucoup encore. Donc je me dis que je vais la faire lire à mes élèves parce que je vais leur préparer un petit rallye lecture. Et pour ma fille aussi, pour lui lire le soir, ça peut être très bien. Et toujours de l'école des loisirs, vous pouvez trouver sur le site École des Max. Cette petite édition là que je ne connais pas trop, mais c'est pareil, c'est une école des loisirs, donc bah, tant mieux. Loup et Mouf. Boum bam boum de Jeanne HB. Et celui-ci c'est oulala, c'est oh. Donc je connais pas celui-ci, j'ai hâte de découvrir. J'ai pris ça pour mes élèves aussi de l'école, Sting et Lumi, chez Monsieur Pinsouille. C'est des petits livres assez faciles à lire pour quand même des bons lecteurs de CP. Mais je me dis que ça peut être pas mal pour ceux qui savent plutôt bien lire et qui ont envie de découvrir des petites histoires. Biscotte et compote. Donc ça c'est vraiment des livres que vous pourrez trouver à 5 euros. Fnac, Cultura, etc. Et je crois bien que c'est l'école des loisirs aussi. Hein. Ah non, c'est lire. Non, ça, cela, c'est pardon, je vous dis des bêtises. C'est lire, c'est partir. Et du coup, ça vaut 80 centimes, cela. Moi, je les connais bien. J'en achète déjà plein de fois. Donc, là, j'ai acheté pour ma classe. Je vous invite à aller découvrir ce site. À 80 centimes, ça vaut le détour. L'école des loisirs, encore une fois. Oui, je ne me trompe pas. Ouais, moi, j'ai repéré de loin l'école des loisirs. J'adore, hein, comme je vous dis, bon, je ne vais pas me répéter. Donc ça, c'est des livres un petit peu plus difficiles pour des CP, mais je me dis que même moi, pour le lire à mes élèves, ça peut être cool. Et je les garde aussi pour tous les niveaux. Moi, je collectionne, entre guillemets, tous les livres de cette édition-là, parce que j'adore. Je les trouve vraiment très intéressants. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo, j'espère, prochainement, sur les auteurs à lire absolument. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre aussi celui-ci. Ça, ça complétera ma collection. Si vous voyez... J'ai vraiment une sacrée collection de livres, enfin, je vous la montre, un de ces quatre, mais bon. Pour tous les niveaux, en fait, de la petite section au CM2, parce que j'aime beaucoup avoir des livres, je trouve ça passionnant à lire, j'aime beaucoup lire à mes élèves, ou plein d'histoires, juste même pour le plaisir d'écouter une nouvelle histoire, donc voilà, je vous montre rapidement. Celui-là, il m'avait l'air pas mal intéressant, parce qu'en ce moment, on est en train de travailler sur le Maghreb dans ma classe, donc pourquoi pas, le magasin de mon père. Celui-ci, il est mythique pour les enfants qui rentrent à l'école en petite section, moyenne section, voilà. Je veux pas aller à l'école, donc...
de Stéphanie Bleck, donc ça j'adore. Et les deux derniers, donc celui-ci toujours de l'école des loisirs, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça. Et le dernier, et ce petit livre-là pour ma fille. Je vous fais des gros bisous.